Docteur, je sais plus où j'en suis. Professionnellement parlant, hein, je veux dire. J'ai toujours voulu être enseignant. Mais aujourd'hui, la tournure que ça prend, bah c'est simple. Hein. On devient enseignant, éducateur, assistante sociale, psychologue, psychiatre, karatéka. On se fait agresser par les parents maintenant. Juge, on règle les divorces devant le portail. Une fois pour le délire, je suis sorti en robe noire, j'ai prononcé une garde alternée. Ah, ça a le mérite d'être plus rapide que la justice, mais bon, je suis pas sûr d'être assermenté pour ça! Donc, nickel. Le seul truc, c'est... Ne dis pas une idée. En fait, ce qui serait chouette, c'est qu'on voit ta tête s'illuminer. Mmh. Tu sais, tu es devant ta feuille blanche, et tu vois le stress de la feuille blanche, quoi. Il a des coups. Tu sais, tu t'illumines. Et donc, t'as pas besoin de le dire. Joue-le sans le dire. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais t'es là-haut, je me demandais de qui tu me parlais. Bic. Fric. Rimez toujours. Rimez toujours. Éthique. Phallique. Oh. Joli. Tapez doucement sur les cuisses, sinon vous allez être tombé. Ah, pardon. C'est dur de t'en faire. Ok, on change de binôme. Mais chacun son poste, tranquille. Tranquille. Par contre, est-ce que je prends tout à l'heure donc on reste en casque de vous. Ah ouais. Je peux vous faire une confidence? Non, okay. Non, mais je me casse, hein. Je peux vous faire une confidence ou pas? Oui. Ça sort pas d'ici. Non. Les gens qui écrivent les programmes, je les ai vus. Ils le font devant un film porno. Je te dis que je les ai vus. Je te promets, ils se touchent, hein, c'est obligé. Je vous les fais. Ils sont dans un bureau comme ça. Et ils font ce qu'ils savent le mieux faire. Réfléchir. Hein, Bernard? T'as des idées, Bernard? Attends, je réfléchis. Bernard? Bernard? Un stylo? Un feutre? Un crayon? Dans les programmes, on va écrire un outil scripteur. Un ballon, Bernard! Un ballon! Un référentiel bondissant! Et la deuxième, attention. Elle est haute comme ça, elle a 5 ans, mais c'est une rebelle. Ah, tu sens tout de suite, hein, ça sera l'école où elle, il n'y aura pas de prisonnier.
Elle me lance son fameux, l'unique, le célèbre. Faut qu'on se voit encore. Et elle me dit, oui, je voulais vous voir. Est-ce que vous saviez que votre fille avait monté son propre syndicat? Non, je vous dis ça parce qu'elle l'appelait MAP. Et l'autre jour, elle était en récréation. Elle avait fabriqué une grande pancarte comme ça, MAP. Et elle scandait. MAP, MAP, MAP. Mort au prof. Comment, monsieur? Un conseil de ma part. Ah ben, à ce stade-là, soit faut consulter ou la faire piquer. Pas plus tard que l'année dernière, avec les nouveaux rythmes scolaires, je finissais le travail à 4h15. Bah oui, mais tu rigoles, tu rigoles. Mais personne finit à 4h15. Moi, quand je sortais du travail, j'avais personne à qui parler. C'est ça la vie d'un enseignant. Seul, incompris, abandonné. Allô mon pote, tu viens ?